Donc cette vie semi-marathonienne, c'est pour toi, hein? Hein? Mais tu vas pas y aller comme ça, quand même. Bah, je mets quoi, alors? J'ai ce qu'il te faut. Ouf. Dépêche-toi, allez. Oui, oui, oui. On va retrouver deux des six étudiantes. Elles sont en école de médecine à Brest et elles préparent ce semi-marathon de Paris. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Mais justement, je crois qu'elles sont là. C'est Manon et Soumeya. Bonjour les filles, ça va? Oui, nickel. Expliquez-moi, pourquoi vous courez pour le semi-marathon de Paris? Bah du coup, alors nous, à la base, on est des petites coureuses du dimanche. Et puis là, on nous a proposé de se dépasser un peu et de faire un semi-marathon pour l'association Madagascar. Alors la bonne cause, c'est quoi cette association, Soumeya? En fait, c'est une association qui aide les enfants défavorisés à Madagascar, notamment en construisant des complexes sportifs. D'accord, et on peut faire des dons? Oui, c'est ça le but en fait. Donc n'oubliez pas qu'il n'y a pas de petits dons et que les petites rivières font des grands fleuves. Mais c'est bon, vous vous préparez comment là pour le semi-marathon, Manon? Bah, c'est un gros entraînement, hein, c'est intensif. Donc déjà on se lève tous les matins, on fait 10 pompes. Après on va à la fac en courant tous les matins. Et puis enfin on sort quand il y a du vent, quand il y a des grosses rafales et on court contre le vent. Puis sérieusement, parce que là j'y crois pas moi. Bah plus sérieusement, on court, nous on est basé sur la course plaisir, donc voilà, bon, tant qu'on se fait plaisir, nous ça marche. D'accord. Régulièrement. Et là c'est bon, vous êtes prêtes? Ouais, on est prêtes, on y va là justement, donc... D'accord, bah on vous souhaite quoi? Bah bonne chance. Bon bah bonne chance alors, salut, puis bah, moi j'arrête là, avant de perdre un poumon parce que j'en peux plus. Bonne chance, salut.